C'était une très belle semaine pour les fans de la marque Apple parce qu'il y avait la keynote mercredi soir. Donc, c'est la grande conférence où on annonce les nouveaux produits. Et là, ils ont annoncé plein de choses, dont un nouvel iPad qui va être plus grand. Et c'est là que tu vois que ce sont des génies du marketing parce qu'ils font des idées avec n'importe quoi. Ils ont pris un iPad normal, ils se le sont rapprochés de la face, ils ont fait « Wow! J'ai une idée de génie! » Mais le plus, c'est que ça va marcher. Prenons des gens comme mes parents, avec qui la technologie reste toujours un mystère. Ma mère a toujours « Comment on fait pour voir plus grand? » Je fais « Tu jettes l'ancien iPad, t'achètes le nouveau. Problème réglé. » Il y a plein d'utilités avec le nouvel iPad. Par exemple, tu le branches à une perche à selfie, boum, ça fait une pelle à neige. Ça, c'est fantastique. Pour ça, c'est... Voilà, j'en ai déjà envoyé 3 à la maison. Ça, ça va marcher. Ça, c'est nickel. Il arrive peut-être juste un peu tard, parce qu'à l'époque de Titanic, s'il y avait eu le nouvel iPad, il aurait pu sauver des vies et des vies. Ça fait un beau petit radeau. Regardez ça comme si c'est beau. Hein? Et come on, Kate Winslet, il y a de la place pour Leonardo sur l'iPad.